L'oiseau n'est plus, je me promène. Tu n'as rien raté, YouTube. Je suis allé là? Ah oui, c'est l'endroit avec le où il y avait le fourneau. Je suis juste allé là. Hein. J'ai ramassé un drop qu'un oiseau m'avait droppé. Voilà, je suis. Qu'est-ce que tu veux? Casse-toi, la chèvre. Voilà, je suis juste là. Je me promène dans les hautes herbes pour voir s'il n'y a pas des choses. Y a pas un seul vrai véritable oiseau parmi ces statues. Bah, tant mieux, je passe. Je ne vais pas m'en plaindre loin de là. Parce que là, mais les oiseaux, j'en ai assez vu pour un moment. Donc là, je vais sûrement passer en dessous. Il y a l'air d'avoir un passage, hein. Ou pas, il y a peut-être juste un objet. Est-ce que c'est une partie de l'armure d'oiseau? Voug. Vouge. De spirit. Qu'est-ce que donc? Ça n'a pas de passif, il faut de l'intelligence, une arme magique. Lame acérée à la forme noueuse. Cette vouge a connu bien des années au service du cimetière. On dit qu'elle peut servir d'instrument pour communier avec les esprits. Ah, c'est l'espèce de faux qu'ils enfoncent dans le sol. Ok. Tournoyez, entaillez vos ennemis tout en invoquant des esprits vengeurs qui les poursuivent. Ok, c'est l'arme. Mais on pouvait la drop cette arme déjà. Eh, on peut encore descendre. Ah oui, j'avais pas vu, on pouvait descendre là. Donc si, il y a peut-être bel et bien un passage là qui est caché. Et ça mène où ça? Parce que là, j'y suis déjà allé là en dessous. Faire gaffe aussi s'il y a des pots suspendus, faut les casser. Pour l'instant, j'en ai pas revu, j'en ai vu qu'un. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir caché des pots? Ah! Ah bah oui, forcément. J'arrive là. Là-bas, y a une grâce, c'est l'objet brillant qu'on voit. Ah oui, j'arrive là. On peut enlever le mimique. J'ai cru voir un objet en bas. Toi, tu es un vrai oiseau. Ah, c'est pas un objet que j'ai vu, c'est des fleurs. Ah si, j'ai bel et bien vu un objet. Du muguet. Un cimetière, c'est normal. Là aussi, il y a un passage. C'est une cascade. Il reste encore tout ça à voir. C'est trop grand, mais c'est trop bien que ce soit trop grand. Il reste ça et ça. Mais à quoi mène cette cascade? À une autre cascade? Pas de donjon en face caché. Après, c'est promis, on va voir les dragons.
Ouh, ça c'était l'entrée d'un donjon. C'est un donjon, c'est une geôle. C'était l'entrée de la geôle de Bellurat qui était comme ça. Non, 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 toi tu m'approches pas, saloperie. Ah, il envoie le bas de la côte céruléenne là, avec les boules électriques. Là, il y a un donjon. On les reconnaît les entrées maintenant, elles sont avec une herse et entourées de cages. Ça va reposer un petit donjon. Enfin, reposer. Je ne sais pas vraiment. Gardez un truc, vous, là? Oui. Ou je le sens pas. Du muguet. Non, vous, vous gardez rien, vous, là, par contre. Très bien, très bien. On se casse, on se casse, on se casse. Direction la geôle. Geôle de l'armoyeur. Très bien. Passons de niveau. J'ai un peu beaucoup de runes. Ouais, trois niveaux. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme l'or ici? Oh non, me dis pas que j'ai pas la clé. Oh. C'est un raccourci. Non, il faut une clé, ça a été juste verrouillé. Il y aurait marqué ouverture impossible de ce côté. Ça, c'était fumé. Clé à trouver, c'est bon à savoir. Ah, elle a l'air congelée cette geôle. Ça va s'effondrer. Ouais, eux, ils m'approchent même pas, ça va complètement s'effondrer. Ah non. Il y a rien de l'autre côté. On voit des choses en bas. On voit des stalagmites. Ah non, il n'y a rien en bas. Ah oui, j'ai changé de bouclier. Donc j'ai mis un talisman pour l'endurance. Donc en fait, je pourrais bloquer les dégâts maintenant que j'y pense, en fait. Oh non. Le retour des tumeurs. Les grosses celles-ci en plus. Elle est beaucoup trop grosse. La fat tumeur. S'il vous plaît, je ne supporte plus ce son. Je n'ai besoin d'aucun salut. S'il vous plaît, arrêtez. Cette misérable lamentation. La lamentation du larmoyeur. Oh, une tête de DLC. Eh bien, lamentation béate, c'est ça qu'il entend alors. Sculpturidos en argile ayant vaguement la forme d'une tête humaine, émet une lamentation béate. Sa voix résonne et s'insinue dans les méandres de votre cerveau. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure sans jamais s'arrêter. Du pleurer en tout cas. Ah mince, y a pas, y a,
J'ai pas la clé, je peux pas continuer le donjon. Ah mince. C'est con ça. Est-ce que j'aurais raté un passage secret? Est-ce qu'elle est paumée dans un pot en l'air? Je me sens un peu con. Est-ce que j'ai raté un passage? J'ai raté un passage, tout simplement. Aveugleman. Il est là la clé. Clé de l'étage supérieur de la geôle. Comment j'ai pu passer à côté de cet endroit? Clé en fer gelé. Ouvre la grille de fer au niveau supérieur de la geôle de l'armoyeur. Voilà. Comment j'ai pu passer à côté de ça alors que je suis passé là? J'ai vu passer comme ça et c'est dans mon angle. Ouais, c'est dans mon angle mort, c'est pour ça que je l'ai pas vu. C'était par là. Ah. Ça glisse. Oh non. Tu gueules. Ok, on est face à des ennemis qui gueulent. Ah oui, ils ont plein de têtes sur leur tumeur. Il y a plein de têtes qui dépassent. Encore un trou. J'ai peur que ce soit un trou qui me ramène en bas, là où j'étais déjà. On voit rien. Ouais, je vais me méfier de ce trou. Il y a un pot, hein, là on l'a vu, ça c'est un pot. Leur cri fait des dégâts, évidemment, j'aurais dû m'y attendre. Très bien, on est face à des petits farceurs. Ouh, des parfums de glace, une arme de glace. Ça fait feu, foudre, poison, glace. Dans un autre, les parfumeurs commencent un périple en quête de nouvelles plantes et fragrances. Mais bon, ça fait de la glace. On va se faire toute la collection. Il manque juste la putréfaction maintenant et la malle mort. Je sais pas s'il y en aura un pour les dragons. Il y a celui de feu pour les dragons. Je pense pas qu'il y ait un truc qui fasse de la magie de dragon. Bien joué, je pensais te surprendre. C'est moi qui me suis fait surprendre. Ça m'a l'air d'être la suite, ça. Sauvé par le pot. Fermé. C'est pas fermé. Oula, dans quoi je m'enfonce? C'est très sombre. Je ne suis pas rassuré. Peut-être le même endroit que l'endroit qui est par là. Attends, j'ai envie d'aller voir ce qui est là aussi. Et ce qui est là-haut? J'ai envie d'aller partout. Ça va tellement s'ouvrir. On la voit, elle est craquelée. Ah, il me faut une clé. Qu'est-ce que tu faisais là-haut, toi?
Qu'est-ce que tu faisais là? Bien caché l'ennemi. On peut tomber. Ah, je vois. De là, en faisant le tour, je retombe là. Si c'est un level design bien fait. Mais mon fouet, pourquoi il touchait pas? Je vais taper trois fois dessus, c'est passé au travers. Putain! Je me suis fait avoir par un piège vieux comme le monde. Et j'ai sursauté. Ce jeu me fera sursauter tellement de fois. M'a fait sursauter tellement de fois, j'arrive même plus à parler. Je suis encore crispé. Bon. Ben, le level design est bien fait. Il m'a fait croire que je pouvais redescendre. Pour mieux me faire tomber. Parti, hein. Il n'y a pas d'autre choix. C'est bon, hein. Il y a tellement de passages partout. C'est un labyrinthe. Oh! Le premier mur invisible! Ah, et j'ai pas la clé. Le premier faux mur du DLC que je trouve. Catalyseur des eaux, c'est pas une clé. Nous sommes des PC pour invoquer un nom mort. Et instrument cérémoniel pour un crâne des gardiens des tombes en guise de catalyseur. Monsieur, j'en avais déjà eu un de ça. Bon, bah il nous manque des clés. J'espère que c'est pas une clé que je devais trouver avant. Il y a l'air d'avoir des sauts à faire ici. Je t'ai entendu. Si je tombe de là, je ne remonte pas. Ça descend toujours plus bas. Donc je vais aller là-bas. Non, je pensais qu'il y avait un mur caché à nouveau. Oh. Tomber dans les égouts. Hein. Il y a un pot là-haut. Je me demande si en faisant le tour par en haut, je vais pas me laisser tomber pile derrière le pot en fait. Ça m'étonnerait pas. J'ai failli me faire avoir et tomber dans le vide. Et je vais tenter le coup. Pas d'ennemis.
Genre, j'ai peur du sol qui menace de se casser tout seul. Ah, j'ai pas la clé. Ah, c'est con ça. Est-ce que je suis revenu là? Oh, j'ai fait le tour! J'ai fait le tour et je m'en suis pas rendu compte. Donc si c'était bel et bien en passant par là qu'on faisait le tour. Mais alors tous les endroits que ça te fait, dans lesquels ça te fait aller. Ah oui, ça casse bien tout, tu peux pas revenir. Hein. Et comment tu vas là en face, il y a un objet. Sûrement en faisant le tour par ailleurs. Parce qu'on te le montre l'objet. Hein. On va s'amuser. On va faire le tour, on va se promener. On va faire plein de choses. Par contre, j'aimerais qu'Internet fonctionne correctement. Bon, déjà, tombons. On a que ça à faire de tomber. Il faut tomber. Il faut qu'on trouve des clés. Serait-ce une clé? Non, c'est des tripes. Ah. Je vous connais, vous. Vous êtes des rats. Des rats qui ont l'air buggés. Ou alors ils sont aveugles et sourds. Juste sourds, à mon avis. Non, juste aveugles. Des choses bizarres. Hein. Oh, un arc runique. Bien. Peut-être que l'endroit avec l'objet, c'était là où il y avait la porte derrière le mur invisible. C'est possible. Ou le gros rat. Je t'ai vu. Une rune. Tu sais sauter. Moi je sais frapper. Il y a un passage là, il y a un passage là. Il y a une échelle pour remonter. Ah non, c'est l'échelle par laquelle j'aurais pu descendre sinon. Ah oui, on avait vu une échelle qui menait à un truc très profondément sombre. Je crois que c'est celle-ci. Je reconnais pas. Eh oui, c'est bien ça. Je peux fermer la porte si je veux. Non, non, merci. En fait, j'aurais dû arriver comme ça, derrière tous les ennemis. Ah non. Du coup. Je suis allé là, donc il faut que j'aille là. Toi, tu te casses pour m'attirer dans un piège, hein. Ouais, je te connais le jeu. Non, ça va finir en les rats qui m'infinisent. Voilà, moi je voulais tous les deux bien en face, comme ça je vous tue en même temps. J'ai bien failli m'avoir, c'est con. C'est pour la concentration. Ah, et là on voit, on a un petit aperçu sur la fosse. Là où on était tout à l'heure. C'est la focalisation, c'est la résistance au sommeil et à la démence, ok. Au jeu des Calastiens, les cornes sont de sublimes artefacts prouvant leur caractère de peuple élu. On l'avait déjà lu ça, sur la version plus 1.
Bon, ben, il va falloir tomber dans le trou. Un de plus. J'arrive comme ça, j'arrive de là. J'ai oublié ce qu'il y avait là en face. Une porte fermée. Ouais. À mon avis, les clés vont être dans la fosse, c'est le seul endroit que j'ai pas exploré. Trouver de clé, hein. Ça, je suis sûr que c'est l'endroit qu'on voit depuis l'arrière. Enfin, depuis en face, de l'autre côté du trou. Et tout d'un coup, la clé, elle est détenue par un ennemi énervé ou cachée quelque part. Mais on ne sait pas comment elle est là au-dessus. Attends à ce qu'il me tombe sur la gueule. Toi, c'était évident, t'étais un gros. Ah, dommage, j'aurais dû prendre profiter de l'occasion pour le frapper. Je pensais qu'il allait aller directement vers moi, mais non, il a fait du sur place. Toi, tu gardes une clé. Esquiver. Ah. Il y en a juste derrière moi. C'est bien ça, c'est la clé. Ah, et là je peux monter en haut. Donne-moi mes asticots gelés, même si c'est dégueulasse. De là, je voyais un. Ah, c'est ça que je voyais de là. Ah, là, par contre, j'ai pas bien esquivé. Oh non, vous avez beau être des enfants, vous pourriez m'attaquer en mon dos. Je ne laisse personne en vie. Bien, j'ai donc eu la clé. Et là, c'est l'endroit que l'on voyait, ouais, avec les rats. Très bien. Tout est...
Tout est cohérent, tout est logique. J'aime beaucoup. Non, il n'y a plus qu'à ne pas tomber dans le trou qui est juste là et aller ouvrir les passages fermés. Caméra au secours. Déjà, il y en avait un là. C'est ça, on est de l'autre côté du trou, je le reconnais. Ouais, le trou est là. Visage génial. C'est une torche. Lanterne de pierre sculptée à l'effigie d'une tête humaine géniarde dont les orbites émettent de la lumière. Si vous l'équipez en main gauche, vous pouvez la lever pour mieux vous éclairer. Ah, c'est comme la torche de nécromancien dans Dark Souls 1, dont j'ai oublié le nom. C'est aussi une tête au bout d'un. Bah, au bout de. Non, enfin, c'est plutôt des cheveux qui retiennent une. Ouais, une tête raccourcie. L'expression singulière suscite un sentiment de contentement. Ça lent la longueur. De ceux qui peuvent se passer, la langueur de ceux qui peuvent se passer de la vue. Bandeau de joie, vous brandissez la tête dans vos mains tout en lui couvrant les yeux. Elle pousse alors un râle de lamentation qui vous rend peu difficile à percevoir. Pour ceux recherchant le bonheur, la cécité est une bénédiction. Ouais, une torche pour être discret. C'est pas mal. Je ne sais plus où était l'autre porte. Je crois qu'elle était au début. Pour retourner au début, je crois que c'est par là. On va sûrement retourner en rond comme d'habitude, hein. Je me connais. Je connais mon sens de l'orientation. Ah non, c'est bon, on est au début. Ah belle, elle était là la porte. Encore un trou. Ah, c'est le boss. Bien, c'était rapide. Qu'est-ce que donc? C'est lui le larmoyeur. C'est un homme dragon. Il a une tête. Ça marche bien, parce que je le vois pas. Ah, il faut trouver le vrai. Enfin, j'avoue que je m'attendais pas à la phase multiclonage. Fait pas très très mal, hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi j'ai des trucs autour de ma gueule? Qu'est-ce qu'il me fait? Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est juste pour me dire qu'il sait où je suis? C'est très effrayant comme combat. J'aime beaucoup le combat, il a un côté très très effrayant. Mais c'est bien. Ah, il m'a fait une chope. Ah, ça te one shot, ok. La chope, elle te one shot. C'est super intéressant comme combat. Ah, il faut mettre la tablette à charger. J'aime beaucoup. Je comprends pourquoi les ennemis avaient peur du larmoyeur. Oui, non, mais la chope qui te one-shot, c'est violent. On
va tester un truc, parce qu'après tout, j'ai une torche qui permet de voir les ennemis qui se rendent invisibles. Après, ça marche que sur les assassins. Mais sait-on jamais. Par contre, c'est un putain de sac à PV, le gars. Alors, oui, voir est-ce que ça marche? Pas du tout. Est-ce que tu es le vrai? Fait pas très mal, mais en même temps je me méfie. Donc en gros, s'il me chope avec ça, je suis mort. Est-ce que je suis censé pouvoir le voir quand il fait ça? Ah, ils peuvent tous faire la chope. C'est toi le vrai. Ah, je crois que je dois pas le frapper quand il pleure. C'est peut-être ça. Quand il pleure, faut que j'évite de le frapper. Dès lors que j'ai les espèces de... Ah non, c'est peut-être parce que je l'ai frappé la première fois pendant qu'il pleurait que je me suis tapé... La marque. Il y avait un truc comme ça dans Bloodborne. Sur la reine Yharnam. Tu devais pas la frapper à un certain moment du combat pendant qu'on entend le bébé pleurer. Parce que sinon elle t'immobilisait. Et elle te tapait. Pas reçu de tête. Peut-être que je dois pas toucher ces clones en fait. Que je dois le laisser m'attaquer. Enfin, que je dois le survivre. Je vais pas le taper. Ah non, c'est quand il pleure en fait. Quand il pleure, ça fait ça. Là, j'en ai moins, j'en ai que 3, j'en ai pas 6. Non, c'est pas toi le vrai. Ouais, le vrai, c'est celui qui te fait les plus grosses têtes. J'ai pas compris. Pas compris. Il m'a quand même tué. Il doit y avoir un truc à faire. Peut-être avec la torche. Ce serait logique. Où est-ce qu'elle est? Je vais mettre à la place du bouclier.
Peut-être que je dois utiliser la torche pour me cacher. Ça fait rien, il me voit, hein. Peut-être que je vais utiliser la torche pour me guérir de ce qu'il me fait. Je sais pas trop. Ça les fait pas disparaître. Donc lui, c'est le vrai. Bien, je vais voir ce qui se passe si j'en attaque aucun. Oh, j'ai pas récupéré mes runes. J'ai bien fait de la récupérer. J'avoue que je comprends pas. Là, pour le coup, je comprends vraiment pas ce que je suis censé faire. Bon, visiblement, c'est pas la torche. Ça fait rien. Enfin, en tout cas, ça éclaire bien. Que je le défonce en fait avant de crever en fait tout simplement. Parce que si c'est juste une course à le défoncer, à qui défoncera qui le premier? Y a pas un objet dans l'arène? Non, y a rien. Très bien. Et si je l'attaque pas quand il fait ça? Bah si je cours. Si je cours et que j'évite tous les ennemis. Bon, ils me font un petit peu mal. Ah, je crois que j'ai compris. Il faut que je trouve le bon. Si je trouve pas le bon assez rapidement, je meurs. C'est peut-être tout bêtement ça. Il faut que je trouve le boss. Le boss et que je l'abatte. Enfin, que je le frappe, si j'ai bien compris. Je crois que le boss, c'est celui qui tire les plus grosses. C'est ça.
Non. Non, bah non, non. Alors faut juste que je tue tous les clones et qu'il reste que le boss. Doit y avoir un moyen, mais j'ai juste pas compris. Je crois que j'ai réussi, peut-être qu'il faut que je tue suffisamment de doubles du boss pour survivre. Ah, là j'ai eu que deux charges. Mais c'est super dur en fait. Est-ce que tuer au moins un, ça m'offre. Ça m'enlève une charge. Je sais pas si ça m'enlève des charges de tuer des doubles. C'est bien qu'on ait un boss énigme, mais juste j'aimerais comprendre en fait. Moi j'aime bien les énigmes, mais si je les comprends pas... Ah non, c'est ça, il faut que je tue tous les doubles. Il s'est mis à pleurer, maintenant j'ai une charge. Donc c'est ça, il faut que je tue tous les doubles du boss. Avant la fin du combat, sinon je suis mort. Mais c'est super dur, il est déjà en train de pleurer. Ah, c'est un truc que tu peux iframe, on dirait. J'ai l'impression que c'est un truc qui se met autour de toi et qu'en fait en roulant tu peux l'éviter.
Non, c'est pas ça. Bon, je dois être tué les doubles suffisamment rapidement en fait. Si c'est pas ça, je vois pas. Et je risque d'invoquer le mimique juste pour aller plus vite. Clairement pas eu le temps de tous les tuer. Alors il faut que je sois loin quand il pleure. J'avoue que je comprends pas. Est-ce que c'est quand il pleure que je dois pas les taper? Peut-être que c'est pas une histoire de frapper ou pas. Mais j'avoue, je comprends pas. En plus, c'est un sac à PV, le machin, doit y avoir un moyen de le tuer plus rapidement. Il prend rien au niveau des altérations. Après, moi non plus, je prends rien au niveau des dégâts. Là, je vais pas les taper. Et ça, il y en avait 3 de vivants, j'ai eu 2 marques. Il y en avait 2 de vivants, j'ai eu 2 marques. Mais il reste tellement pas. Comment tu veux avoir le temps? Mais touche-le, bordel! Ah, mais c'est le boss! C'est pour ça que je lui fais rien! Ouais, bah j'ai un collier complet maintenant. Il n'y a pas moyen de l'empêcher de faire ça, hein. Je fais pas assez de dégâts en fait. Si je change pas d'arme, je vais pas réussir à l'avoir. Parce que là, il va faire spawn beaucoup trop de doubles.
Donc ça c'est bien le boss. Ben voilà, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps de tous les tuer. Je peux rien faire. Je peux strictement rien faire. J'ai pas le temps. Moi je vais mettre le mimique, hein. Y a pas le choix en fait. Il faut que j'ai du DPS. Et j'ai pas envie de changer d'arme. C'est pas grave si j'ai pas beaucoup de vie. Parce qu'ils font pas très mal les ennemis. Et puis je peux me soigner là. Voilà, j'ai réussi à tuer toutes les copies. Et du coup, il a été stun un petit peu, on dirait. Ah donc c'est ça en fait, c'est une course au DPS. Il faut lui faire le plus de dégâts possible sur les ennemis. Sinon, il a le temps de te tuer. Pas de marque tout autour, non, ça va. Très bien, c'est... Là il a pas pu, pleurer, mais il a pas pu mettre de trucs puisque il n'y a pas de double qui était en ligne. Donc en soi c'est pas un combat très dur quand tu as des dégâts. C'est lui. Vite avant qu'il pleure. Voilà. Hop. Il a plus de clones. Il ne me fera rien.